Jésus-Christ veut que nous soyons par grâce ce qu'il est par nature et que cela s'accomplisse non seulement en la gloire, non seulement dans le ciel, mais dans la terre où vraiment nous sommes fils de Dieu. En cette qualité, nous entrons en alliance avec lui, nous avons droit à son héritage, et qui plus est, il nous donne pouvoir d'appeler Dieu notre Père, de le regarder comme tel, et de nous rapporter à lui en cette qualité. Ainsi Jésus-Christ nous communique-t-il ce qu'il est, nous marque de son sceau, nous fait et nous reconnaît pour enfants de Dieu, et nous fait un autre soi-même. Admirez et réjouissez-vous, mes frères, nous sommes faits des Christ. Avançons encore dans ces lumières, nous sommes élevés à l'admirable état d'enfants de Dieu par quelque chose qui se passe en nos âmes. Selon que saint Paul nous le fait entendre par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment en nous par Jésus-Christ. Tite 3, 5, 6. Nous reconnaissons là tout évidemment que cela se fait en nous par une communication très abondante du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous est donné par Jésus-Christ, et que Jésus-Christ nous est envoyé à ce dessein par le Père éternel. Nous sommes élevés à cet état divin par une naissance nouvelle et par une génération divine que le Fils de Dieu opère en nous.